Ça enchaîne derrière. On attend un peu. Je mets en scène, c'est un bien grand mot, j'essaye de canaliser les talents sur ce 51e Gala de l'Union des artistes, qui est un truc qui me tient beaucoup à cœur. C'est des acteurs en forme, des artistes en forme, de la chanson, de la musique, de la danse, du cinéma, du théâtre, qui sont en forme pour aider ceux qui sont moins en forme. Quoi. Et à l'époque de la crise, c'est quand même très... C'est important quoi, de penser aussi à ceux qui sont restés sur le bord du chemin. J'ai toujours été très émue dès que je rentre dans un cirque. Depuis toute petite, j'ai toujours été attirée. Je n'ai jamais eu le culot de m'inscrire, finalement, dans une école. D'avoir le culot d'apprendre un petit peu cet art, finalement. Et donc, je suis ravie. C'est l'occasion aussi. Et pour la bonne cause, en plus. Donc voilà. On est content d'être là. Belmondo, Jean Marais... Et tous ces grands acteurs-là ont participé au Gala de l'Union et c'est un vrai sens, je trouve, surtout aujourd'hui, de se dire qu'aujourd'hui, en 2012, il faut retrouver cette espèce d'élan de solidarité, de fraternité, je trouve qu'il se perd un petit peu. Je serai Marie-Antoinette avec des poules, je fais un numéro avec des poules qui ont été dressées par Diane Dugard. Voilà, c'est merveilleux parce que j'adore les animaux et puis les poules, c'est elles qui décident. Donc on n'est pas dans le contrôle absolu, ça me plaît énormément. Voilà, toi tu viens un petit peu par là. Tac, tac, hop, on sépare, deux et deux.